Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mon Doux Refuge. Aujourd'hui, je vous montre comment faire cette délicieuse omelette à base de choux chinois. Ouh là là, c'est compliqué, mais vous verrez, la recette est beaucoup plus simple et je vous la donne de ce pas. Vous allez faire revenir une pomme de terre dans un peu d'huile d'olive, donc une petite pomme de terre coupée en cubes, dans, on va dire, une cuillère à soupe d'huile d'olive et quelques feuilles de chou chinois que vous avez préalablement lavées et coupées en morceaux. Une fois que cette préparation est cuite, vous allez prendre un bol où vous allez mettre 50 ml d'eau, casser un œuf dedans et 2 cuillères à soupe bombées de maïzena. Vous mélangez le tout, vous obtenez ça et vous allez verser cette préparation, cet appareil, sur vos légumes cuits. Vous couvrez le tout et vous obtenez après quelques minutes ce magnifique et délicieux résultat. Je vais vous donner avec la petite sauce d'accompagnement qui personnellement moi me va très bien avec. Vous pouvez la manger avec de la moutarde, cette omelette, hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais comme il y a quelques connotations asiatiques, pour suivre le mouvement, j'ai créé entre guillemets une petite sauce maison que je mange, que je déguste avec. Et cette sauce, la voici, c'est un petit peu de sriracha, de sauce piquante asiatique, un petit peu de ketchup, un petit peu de mayo et un petit peu de sauce soja salée. J'ai jamais essayé la sucrée d'ailleurs, donc si vous essayez, n'hésitez pas à m'en faire des retours. Je mélange le tout avec ma petite baguette délicatement, comme vous pouvez le constater, puisque j'adore manger ce repas avec des baguettes. Je la découpe au préalable et ensuite je mange tout en une seule bouchée. Cette petite omelette toute fine, toute mignonne et toute bonne, j'ai envie de dire. C'est une de mes omelettes préférées. Donc voilà, avec un petit accompagnement riz et sauce soja, franchement rien que de l'avoir, je me régale d'avance. Voilà pour la recette, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, faire la fête et vous régaler. Et surtout, prenez soin du monde, prenez soin de vous, vous connaissez la devise maintenant. Je vous embrasse, à très vite.